Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio qui mouille. Le maillot, heureux de vous retrouver ce jeudi dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui sera question du fruit appelé Jacques. Ses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques nous intéressent. Et pour en parler, comme d'habitude, je suis avec des naturopathes africains. Maître Aziale est présent, James Doudi, notre encyclopédie. Il est là également, il s'agit bien sûr. Mais James, doucement, doucement, laisse-moi introduire notre encyclopédie, s'il te plaît. I'm still remain silent. Ah oui, c'est ça. Kekou Damaouzan, il s'appelle Buffalo Lambert. Il est nutritionniste, groupe sanguin, spécialité groupe sanguin. Mise en onde, Pelagie Mekoum. Je suis Romo Yeto derrière la caméra et l'homme à devant. Chers auditeurs, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Ne tournez pas le bouton de votre poste récepteur. Restez avec nous jusqu'à 11h GMT. Je le disais, nous parlons d'un fruit appelé Jacques. Malheureusement, je ne connais pas le nom en évé ni en minon. Si vous connaissez le nom, mes collaborateurs vont décrire le fruit en question. Alors vous pouvez nous envoyer le nom. C'est le dernier jeudi du mois, donc c'est la libre antenne. Juste après avoir présenté brièvement le fruit Jacques, chers auditeurs, vous avez le 92 03 60 31 et le 97 24 26 26 pour participer à cette émission. Posez toutes les questions liées donc à la santé. Mes collaborateurs sont là pour vous apporter des solutions. Bonjour Lambert. Bonjour Romao. J'espère que c'est la grande forme. Hyper forme. Maître Aziale, Ndi. Ndi Aroma. Aroma et toi. Les violets. Les violets, donc, qui aiment la. Il faut que. Ils font le. Tiji du coin. Il faut que. Oh, bah, les moindira. Oh, les moindira. Là, c'est bien encore j'arrête. Hello, James. Good morning, Romao. How are you? I'm doing great. Ok. Bon, papa, Africa. Miado anglais, allo, miado gangbe. D'accord. Où est-ce? Yo. Le miyabo vire. Bali me toi, tiens, on a fumé. Fika me bah, on kan lea. Yo. Founou, non a vire. Zanri, on la watroi. Eh, ouye, animatek beule. Mano miyabo vire. Mano miyabo vire la. Voilà, chers auditeurs, tout est en place pour vous servir le programme de ce jeudi. Alors, Buffalo Lambert, nous parlons de Jacques. C'est pas le prénom Jacques, plutôt un fruit appelé Jacques. Décrivez-nous brièvement le fruit dont il est question. Le fruit du jacquier ou le jacques, c'est un fruit qui ressemble à édité. Mm-hmm. Malheureusement, nous ne connaissons pas le nom en mina. On va solliciter, comme d'habitude, les auditeurs et les auditrices de nous trouver le nom, comme ils l'ont fait la fois dernière avec Adi Adi. Voilà. Donc voilà. Ce fruit ressemble à édité et gros, rond. Quand on casse ça, on trouve des pépins dedans et c'est un fruit qui est très sucré. Ça pousse au Madagascar. Bon, il y a ça ici à Lomé, hein, au Togo, à Lomé, il y en a. Donc, ceux qui sont sur notre plateforme, qui nous suivent sur YouTube, peuvent voir l'image de ce fruit dont on parle, le fruit du jacquier ou Jacques. Pas le prénom Jacques. Hein. Donc, c'est un fruit que nous allons mettre la lumière sur ce fruit ce matin. Et c'est très intéressant d'en consommer au moins une fois par semaine. C'est un fruit qui donne beaucoup d'énergie, protecteur du système immunitaire. Alors, si l'être humain est capable de détruire la nature, elle, est capable de sauver les êtres humains avec des plantes et des fruits. Donc, ce fruit-là, cet arbre, est là pour nous sauver. Roméo, en Afrique, quand on manque souvent des vitamines, par exemple, vitamine K. C'est rare qu'on manque des vitamines K, mais quand vitamine K vous manque, on a tous les problèmes du monde. Il est très rare de manquer de vitamine K dans son alimentation. Si vous souffrez de l'hépatite, la cirrhose, c'est-à-dire le foie cirrhosé, ou encore des diarrhées ou des parasitoses chroniques, vous avez aussi besoin de vitamine K. Et cette émission est faite aujourd'hui pour vous. Et je vous recommande particulièrement de consommer ce fruit parce que en consommant ce fruit, les pathologies que je viens de citer tout à l'heure, vous allez pouvoir les combattre naturellement. Le jacquier
aussi appelé le fruit de Jacques, est un fruit exotique originaire de Madagascar, d'Asie du Sud, et riche en vitamines, fibres et en protéines. Il comporte de nombreux bienfaits, dont celui de prévenir les maladies cardiovasculaires. Bref, un fruit bon pour la santé à connaître ou à consommer inévitablement, au moins une fois par semaine. Le jacquier, une autre alternative à la viande, dont ceux qui n'aiment pas, comme mon grand frère qui est ici, ceux qui n'aiment pas la viande, si vous ne voulez pas manger l'haricot ou le vauanzou, donc dirigez-vous vers le fruit qu'on appelle le jacquier ou le jacques. Ce fruit exotique plaît aux végans et les végétariens, et vous allez découvrir pourquoi, après avoir été cuit pendant une heure, le jacquier non affiné a le même goût que les autres viandes. Attention, nous mettons la lumière sur ce fruit, mais les pépins qui sont à l'intérieur, il ne faut pas manger ça comme ça cuit, hein. Il faut préparer ça. Cru, non, on ne mange pas comme ça, hein. Après avoir été cueilli, le jacquier ne se conserve pas plus que quelques semaines. Il faut le mettre soit séché quelque part, ou bien de préférence, je conseille nos frères et sœurs de consommer le fruit une fois que c'est mûr. Quand vous cueillez les fruits là, une fois que c'est mûr, il faut consommer ça en même temps. C'est mieux, au lieu de les conserver longtemps. Les composants naturels ayant des pouvoirs antioxydants, on ne les retrouve pas que dans les aliments d'origine végétale, et offre de nombreux autres avantages pour la santé. Elles agissent également comme agents antibactériens et ont un effet positif sur notre système hormonal, surtout pour les femmes. Le jacquier est un fruit méconnu, au parfum enivrant, de forme ovale, recouvert de petits picotes. Il renferme une chair blanche, voire jaune, des graines comestibles au goût proche de fécule, mais un fruit très très sucré. Donc vous pouvez trouver des vitamines, des minéraux, des fibres, et donne beaucoup de l'énergie. En Thaïlande, Malaisie, Brésil, à la Réunion, l'île de Réunion, il se consomme soit cuit, grillé ou bouilli. Un véritable complément alimentaire. Il rentre dans la composition de certains plats traditionnels au Madagascar. Un trésor de vitamine B, vitamine A, lui seul. Le jacquier est une mine de vitamine B, présent dans peu de fruits, avec un complexe élevé de composants de vitamines B6, B3, B2, B9. Ah, pour un fruit comme ça, c'est énorme, hein. Les phytonutriments. Alors, les femmes qui ont des problèmes hormonaux, cherchez ce fruit et mangez une fois dans la semaine, et ceci pour 5 semaines. Pour traiter les infections des hommes et des femmes, il est par ailleurs un super fruit pour traiter les infections qui éloignent les virus dans le temps de... Bon, voilà pourquoi on dit que les Africains, là, quand on parle de pandémie, coronavirus, etc., vous ne devez pas avoir peur. Voilà un fruit qui est chez vous, vous mangez ça, vous êtes à l'abri des virus. Moi, je dis ça, quel que soit ce que ça va me coûter. Allez manger ce fruit et vous n'avez pas peur des virus. Et les bactéries qui protège notre organisme. Donc, contre les infections, sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps. Surtout, son jus fait maison avec de l'eau de cascade uniquement et à consommer à jeun. Le matin, attendre 45 minutes avant de manger quoi que ce soit. Voilà notre star, le fruit dont on parle c'est aujourd'hui. C'est un véritable trésor. Monsieur Jacques, pas le prénom, mais le fruit. Alors, avant de donner la parole à Maître Aziali, Mr. Kekou, this morning we talk about Jack. Yes, let me complete fruit, Jack. Jackfruit. Jackfruit. Yes. Not Mr. Jack, Jackfruit. Okay, Jackfruit. It's a huge fruit. Yeah. It's big. Yeah, I guess we just showed the picture. On Facebook, this fruit is phenomenal. It's one of the very rare fruit that we have on this planet. As we know, there might be some other better fruit out there, but so far what we know, we have this fruit here in Togo. I seen it, but the first time I saw it by my professor, Dr. Sebi,
in Honduras. Mm. I was amazed. This fruit has a lot of benefit for good health. I'm not going to say everything because, you know, my brother is here. I'm going to leave him something to say. Mm. First, it's very good for your immune system. It boosts your immune system as it should. And my brother Lambert just said a whole bunch of stuff. He said a lot of things about this fruit. He talked about vitamins. He talked about minerals. I'm going to just mention two of the vitamins. First, the vitamin C. The vitamin C is very important for the good health because this jackfruit carry a lot of it. And what a vitamin does, it boosts your immune system as well. That's why this fruit is good for your immune system. It protects you, your skin, from being attacked. It's a very protective vitamin for your skin, and it helps you get rid of or protect you from an inflammation. When I talk about skin problem, we call one of them eczema. I don't know how you call that in English, Brother James. In French, yes. Brother James. No, in French. Eczema. I don't know the name in French. And it's good for your eyesight. When you use this fruit enough, it protects you from cataract, that we call in French cataract. It's very protective for that. And like my brother say, if you want to stay healthy, you don't want to mess with a blood. When I say blood, I'm referring to meat. You don't want to eat meat, eat this fruit. Even if you diabetic, it does not, because it's sweet, but it has a lot of fibers. This fiber slows down the glycemia or the sugar from going fast into your blood because of this amount of fiber it has. It slows down the sugar to go into your blood faster. Because most of the time when diabetic people eat fruit, in a few minutes after when you check your glycemia, it's high. But with this fruit, no. Because it goes slowly. The fiber slow down the sugar to go into your blood. It's because of its fiber, again, it help you from not being constipated. It help you for constipation. When you have enough fiber in your diet, it move things in your colon. It stop you from being constipated. And what else it does, you'll be surprised because we talked about the same thing last week with the aloe vera. For ulcers, it's very good for people who has ulcers. So I'm going to add that to aloe vera. If you mix it with aloe vera, say goodbye to ulcer. I see you. So I'm not going to continue giving all the stuff, but I'm going to leave the rest of my people, okay, the team. James, sir. Yes. Sir. Okay, I'm listening to you. If you have something to add. Okay, I should go. My English is where? The English is here. All right. I'm not trying to play with you. Okay, okay. my boss just ran it up. We have this fruit that contain about 15 minerals and vitamins. Now, these vitamins serve as what you call a balanced diet for a day. Now, why this fruit is a miraculous fruit is because no fruit, so far that I know, have all what you need for a day. But this particular jackfruit have everything you need for the full days, all the vitamin and mineral for the full days. That is why in a portion they call it
is a food for poor man. Yeah, because rich people have money to select different food to eat for to have the balanced diet. But this fruit, if a poor man just take just 10th of each seed, if I call it seed, that is the portion of it. Because allow me to just explain something about the fruit. Now, you need to cut the fruit in a length side. And before you cut it also, I will say that later in a way anyway, you have to put oil on the knife to make it easy to cut. But mind you, don't use oil that have too much scent because that will change the nature of the food. So when you cut it, there is something in the center. You remove that particular center, and then you now see the portions inside. Inside this portion, there are also seed inside. My boss have said it earlier. So these portions, if you have 12 of them for a day, you don't need to eat another food. You're already satisfied for the whole day. That's wonderful. So that's why we call it, what, a poor man food. Now, continue. My boss said earlier that if the humans are destroying the nature, nature is capable of repairing himself. What is he trying to say? Is that today you see that almost everywhere, we have weather changes, global warming and all that. Now, this fruit, because of this global warming, there are certain food that you cannot get in the market anymore. If you have the farm, you have no produce, whatever. But this particular tree can grow in any situation. And if it grows and there's a famine, you don't need to worry yourself. All you need to do is to get one of these food, take 12 portions of it, and you're okay for the day. Thank you, my brother. On a parlé des propriétés donc, de ce fruit que nous appelons Jacques, qui est un fruit merveilleux, plutôt asialé. Il est blanc. Jacques, Atikou, c'est le milieu avec Jacques. Voilà, mais il est allé avec Dina, édité à l'eau, Asie. Il m'a d'où son livre. Atikou, c'est ton ami, Vila. Yo. Mais d'accord. Mi dakpona tuji na lokoko e mi dakpona mi apoto lambe ple e fenti no lawo amako usona suswane bo sovane mi lakpedeno no blush aka na gba oro amo basa menye amonko yomolu e fiana be de keke blemake ya amaka na hati kuchichi ava ibon koyo na tena dati kuchichi anti inti ulo blush aka ro e fiana be Jacques a tout ce que Révain Badia a mis à Banquema. Très souvent, l'eau, tu as dit à Delao, ou avec Pona Noir de Bum, tu as dit, Doma, il y a de la que avec Quatikoutia, un coin de Jacques. Ta Yoman encore que la Yona, et nous à la Globe, Jacques Quatikoutia, yea. Ta Namade Bagné, n'y a eu bon côté de voix, n'a eu ennemi. A tout ce que Mille Gloire, tu as dit à Moko, n'y a Lugu. Amaru yone ba vo. Amaru glo na ba nigli. Enonane nema. Voya ibe point que non antia. Iba unja molulu na siba nigli alu lugutoro no. Voilà. Enona lulu de. De le po ibe ntina je si jitea. E sokpele jite ban ti pepepe. Wa choi je adu lulu na cho e jiteo. E ya ibe kutisa ntata lulu na cho. De le femea. Ama côté d'une date à ou la pobre un que non amère à nos date bon non manana ne le trop clair coup non amas basi quoi as ya ama konya miona ne be vocha oui et vocha coup que non amère nos vocha kuna et ça ou gardou na et ça mais après le glovia bo ne le lui mou manya bo il doit dire ala bon monoc la terre toi c'est vrai que quand on a évolué na ajana na susumuru na ma la terre de babi ladu wo me kwa chikuchi ke glomolia ala chikuchi ke mi apo tolo glom via so do da na na pati kuchichi ya adu enu ya ma sugbo owu blaton to chakura wo na po nu ya momoa le droit bien benadi nono makame azele batechonu ya meachove eleke yawe batechonu ya meachove
manya boyo gbo bo ati kuche ma adu nu ya musugbo kwa wana la fo gbo sagbo ko kele do aji ati kuche ma gbo boyo anodu agbata he do vero fa wata ngula ti kan ko jibala da do no bona na pati kan agba na la gbala o muzenyoro le gbaze sugbo apa o muzenyoro do nu wa alagbata he do vero fa la tera ti ke sanodo da mi wa gbatoro do bu so ro vemi tami apo gbo bo mi a wo sujo ti mi a bi omo ko nyanwa leke mazen iba nanu ya leke mazen iba cho levi alkeve o gbo vivi abona le nu ya ma do le podo le mi abo la mea si be nu ya ma si be vitamine k vitamine k en du na mo se mi abo la ma ka o e gba le mo a en na mo se mi abo nku ka o bonu pon nu ya o le cho yi za za leke la zero non non ma la zero la zero c'est un que ka iba cho le nan pomu ya ma aveno nda ka de na funemi africa to alu me bo toju no to lo za no agbara ka me gbo no ko bo yo za no la mo do no yo me ne no za na tike mo nke ni jojo me be nu ya jojo mo nu ya ibe do na ono na blou 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 do jojo mo nu awo na dopele ofuka keke jirka ta aleke ofumachuna ko vana kamana mazirko ayi na firo kaka kangbe ba vana ona dokle jinemia neneme icha ona dokle obuema echi nyagbe wona nuchi bia zirka matona ebo doji zirko ayi na enu le lamia trona ngbeglo ngbeglo na chimolo edena dira chiama kona na firo ibanya na dido midiona bo trocho na nyito acho na fide ogba jina ndo gama te ba lona kona ne miabo fuka oji ne ne menya miabo tike miabo jojo mo tike o zaza ne ne mo na dema na gba ti tuma na mareko ay ka fla miabo ivo yo ke le miantia o gble mi ple wa ba adi tike ota la terre no tike revia la odos be etare valo kati do bla vo ja ba nya ba mu le kotine yi a chi la manemi tagbea ei miabo nusrolo veyo jagwa ka sro ndo choveke la jira miabo lamodo dare na choi ke gbonoda miabo chichima egbe na do pobla vato me nya miabo ndeke jojomu na do pobla ton choi na gamel ganya la sobe nu ye ko gbono vimo bo na gbawe wa gamol jaba no pon le ka fla mia torua uzo na fortuna chevie vana lomofia ma donc que ma mama gna ba yo ve gbena casual chuna fide chapela cho casual la cho va brode brode ba kote se de lomofia ma ya vi onu wa fo yo zona wo gbe ya vivia ma mama chapela e chilepo ya lo le na bo abo o de na si abo mo ne ka mo na chilepo e yo bo ke ke mo gbodu mo da o we va le le egba tani mi ajira mi abo chomodo daria aje be mi onka mi ajira egbe ike mi le problem vo atoduma ike mi ajira problem atomodo dare ne poro mama lewa evu do lo matin odon wanu fotuno vo agba no garden kon de osi ano dadare pro susu be apoya ko to do no apoya ba dea o ngba ja ko be fotu ya ko ho na re do mo wa o ngba ja ko ke ya ke da mo le dia o to ga ko dare ma o yo ne le français be retraite be ga alo ne no amaro be pension eh ya me retraite be tension minya ke ti yo ne be tension ma ko parenthèse ya vire ko aha be togwa c'est une réalité que nous vivons nene amoko yo retraite ole tuna o ne we tira ko ve hore ke tension me hona na enti ngbalo ya be pension ba tension c'est une réalité que nous vivons au Togo imati suya so la do amerika po ta mi de kukuru mi atobe de choma nu mama ba no jojo re mi aji ota mi ji mi abo la mo se chogba bodo mu nyebe obona be atukwa gomodo kwe no nka na senu na senu na gomodo kwe mo senu wa mi kuna ba beteja tui agba tui de ji mano aya macho ta mo le kuku de na tuju no lo be nu ike mi apoto lambe ku do ple pa ka mo ti o cho le nu ya jiva me mi ada pe na e tuju no lo bo nu se nyu re amare no evode keke po blaton vo aton
amare chagba no gaba kaka wa pobla vo aton amare ne kekeke wa pobla ne vo aton vo au nke yu ya no lo yu de ke yu bo dumele o nu ya ko ve por gamara o da si no ke pioti o do apo do vi de gama ojo va ba yu ano mi aba jojo ya mo togu ajo pe melo mi aba togu ajo pe me e jiru anu asi o parce que gbogbo to wa na mo cho do fa vale fie jagba ni do mo ju gbogbo le cho ran te na ji fia o da si o bo do da revo de bo ya ba no africa fia de yu apere mi amo yo kele doi ke mate ale africa to vo le do ma le ma yu ba pere unti na yu a cho doi gbo yo kenya jojo ma matio afia mi pele mi abo ndudu wa de ke mo le fu de na mi o de africa ori de pepe su merci vo mi abo nu ma nya dudu ekule doh enemi egbe an kuvure mi wa cho nu mo fia mi atiku chichi akaba ya glomo vale vivia na le du atiku chichi ma consider la kama te kpona ibe ibe ku gudu de capeco adu ibe la ato ibe kwa si bazina na adu a nu gbogbo te okale jojo mi aji gbe a tutugba ni mi na ka chi yo na do lele ma de e pogba mu vo mi le yo be diabete Adi do vivi. Enye gbanto a. Tension na yiji. E volia. E tole yi baba de funemi ko na Africa fi enye ba amema do pore ko bo ngba mponyu. Vision flow. Nka Africa vi. Ike ndomi ke tsra na do lele ba mse ele mi agbo. Nu ike o na banana mse ele vi o ko na pa kuna do lele ntin gbale na mo ele mi agbo fi ya. Nui ko nuna betona na musemi aba la makao bo nu wavu nu wavu ple dolele yo ke va na mi ama ele mi agbo inye deha de ravi ele mi agbo fia ayo la du magba de fu dolele ba de fu o keke o le nke la gba de fu ama yi ke mi du na de fia ama o le o va cho na fia cho na evo de abe cho mbu agba de mo ka gba cho cho dura mi mi le wa we okon cho wu yo kele mi anto mi agbo mi aza o mi de kuku nkuno bu nemi africa to evu nya ba africa nya duwa dodoi tena da fili pepe ya evu pona jojo africa anti mi de kuku mu osu bosa gamala va yidemi da ma chama ne lankure avant d'ouvrir les lignes aux auditeurs buffalo le fruit Jacques qui peut le consommer et comment? Bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les groupes sanguins peuvent consommer le fruit jacquier ou le fruit du jacquier. Mais il y a des contre-indications éventuelles. La consommation du jacquier est déconseillée pour les femmes enceintes ou allaitantes. En cas d'allergie au pollen ou poussière, aux personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, aux personnes qui sont sous des traitements médicaux. C'est-à-dire, si vous attendez à suivre une opération chirurgicale à l'hôpital, ce fruit, vous ne devez pas consommer ça jusqu'au jour J. Si vous avez des problèmes de respiration, problèmes d'allergie, poussière et tous ces consorts vous dérangent, vous ne devez pas consommer ce fruit. Si vous êtes sous le traitement, c'est-à-dire à la pharmacie, le docteur, le pharmacien, l'infirmier, tout ce qu'on veut, le naturopathe, on vous a mis sur un traitement de la pharmacie, ce fruit-là, vous ne consommez pas ce fruit jusqu'à ce que vous avez fini votre traitement à l'hôpital avant de commencer à consommer ce fruit. Sinon, le fruit est très bon pour tout le monde. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites concernant ce fruit. Je vais juste ajouter... Allez-y. OK. Je vais juste ajouter que ce fruit aussi renforce le cœur. Wow. Les gens qui ont des problèmes du cœur, allez chercher ce fruit. Vous n'avez qu'à juste consommer ça. Ou ce que je conseille, moi, en tant que nutritionniste ici, je parle sous le contrôle de la bibliothèque ici, qui est devant moi, Kekou Damaouzan. Il faut faire le jus de ce fruit maison avec l'eau de cascade. C'est très, très bénéfique. Si vous buvez ce jus, juste un verre de Voltique, même deux fois seulement par semaine, vous allez voir que tout ce que dispose ce fruit
vont rentrer dans votre organisme et votre problème de pression artérielle cardiaque ou le problème du cœur va s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Roméo dans la journée. Lambert, j'ai des problèmes de digestion. Qu'est-ce que je dois faire? Mais va chercher ce fruit. Tu manges. Et quand tu manges ce fruit, tu vas voir que ton problème va se résoudre rapidement. Ce fruit permet également de lutter contre les cancers. Il y a des études qui ont prouvé ça. C'est-à-dire, ce que fait ce fruit, si on veut en parler, on ne pourra pas en finir aujourd'hui. Donc, c'est un fruit que je conseille. Ça booste l'énergie, comme m'avait dit tout à l'heure mon grand frère. Ce fruit, il est aussi conseillé pour les gens. C'est un fruit idéal dans la prévention de l'ostéoporose. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez moi pour ça aussi. Hein. Ouais. Donc, il faut consommer ce fruit, non seulement pour empêcher le cancer et d'autres pathologies. Donc, on ne pourra pas citer tout ici. L'anémie également. Ce fruit, l'enfant qui a des problèmes d'anémie tout le temps, mais il faut aller chercher ce fruit, vous lui faites le jus de ça. Et puis, c'est bon. Ce fruit, ceux qui ont des problèmes de thyroïde, ça favorise une thyroïde saine. Il y a certaines personnes, ils ne mangent pas, mais ils grossissent. Mmh. Par exemple, le O+, lui va manger peut-être tardivement, une fois seulement dans la journée, mais elle, oui, il grossit. Il y a un problème de thyroïde là-bas. Ouais. Il y a certaines personnes, ils mangent beaucoup, mais ils ne grossissent pas. Il y a aussi un problème de thyroïde là-bas. Donc, ce fruit-là, c'est le patron. Il faut aller voir ce fruit, il va vous traiter. Ah, ok. Mais, je ne vais pas montrer quelqu'un. Je fais mon émission tout simplement. Donc, ce fruit-là, ça va aussi lutter contre l'hypertension artérielle. Donc, il est important que les gens consomment ce fruit. Maintenant, ce que je dois déconseiller aux gens, c'est quand vous consommez ce fruit, il ne faut pas manger les pépins quand vous n'avez pas préparé ça. Ça a été bien précisé en mina, en anglais. Je le répète encore en français. Vous consommez ce fruit sans problème. Mais les pépins à l'intérieur, soit vous allez faire cuire ça à la vapeur ou miatun avec yovonemi ou tout ce que vous voulez. Il ne faut pas que ça soit consommé comme ça, sinon c'est toxique pour l'organisme. Il ne faut pas que quelqu'un aille consommer ça et vienne nous dire après, mais quand on a consommé ce fruit, on a eu ce problème. Hein. C'est parce que vous n'avez pas respecté ce qu'il faut respecter pour ce fruit. Donc, les feuilles, c'est un médicament. Les racines, c'est un médicament. Les écorces, c'est un médicament. Donc, je conseille nos frères, nos auditeurs, nos auditrices de consommer régulièrement ce fruit. Peut-être pour finir. Ah oui, voilà. Pour finir, c'est un fruit aussi quand vous avez des problèmes d'estomac. Paresseux. C'est ça. Le fruit là va s'en occuper. Donc, je conseille nos frères de consommer en le fruit. En tout cas, chers auditeurs, rassurez-vous, tous les fruits que nous évoquons dans cette émission, nous les avons consommés. Le jus de chaque là. Il y a une semaine, rappelez-vous, chers collaborateurs, nous en avons consommé. Tout à et fait. Il a un bon goût. Je me demande, mais c'est quel, c'est fruit de la passion? On dit non, c'est voilà. Jacques, mais c'est quoi encore fruit Jacques? Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Chers auditeurs, vous nous appelez maintenant, c'est la libre antenne, pour des questions de santé, des conseils. Vous avez le 92 03 60 31 97 24 26 26. Mimou mon ami, Mirate Yomi, Nyabionia. Et qui est la médecine venir avec Béa et n'y a qu'il a si au portant va à Bio ou la douinti non alors la tchakbakbaka la sort douinti des non et nous les signes bien quoi Yomi les 92 03 60 31 allo 97 24 26 26. Ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, vous aurez pu constater que nous avons exposé un jus ici. Va nuer, viens va boire, nuit. Viens boire, va nuer, viens boire, oui. C'est fruit de Corosol, c'est ça? Voilà, ce fruit, c'est un fruit de Corosol. S'il vous plaît, si vous nous rejoignez à l'instant même, vous pouvez nous appeler pour vous poser des questions concernant la santé. 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous sommes sur Sport FM dans Sport et Nutrition. Allez-y, Lambert. Voilà, c'est un fruit que... c'est Corosol. Hein. Nous avons préparé ça aux normes hygiène.
et c'est naturel. Ce fruit que nous avons mis en bouteille là-bas peut rester pendant 3 ans. Il n'y a pas un fruit, ça ne va pas... Pas de conservateur. Non, pas de conservateur. Tout est naturel là-bas. C'est un fruit qu'on peut consommer et c'est bon pour ceux qui ont des problèmes de cancer. Il y a souvent des collègues qui me contactent que bon, j'ai un patient ou une patiente qui a des problèmes de telle pathologie de cancer. Est-ce que je peux avoir le jus de Corosol chez toi pour faire le traitement? Que c'est bon pour nos auditeurs. Il est parti, mais il y a une question de Madame Hélène sur notre plateforme. Bonjour messieurs, merci pour l'émission. J'ai un petit souci, quand je mange un peu, j'ai la sensation d'être trop rassasié et je suis très lourde ou je sens la lourdeur dans ma peau malgré les exercices physiques. Et si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus, merci. Je réponds ou Kekou répond? Il y a quelqu'un? On prend la personne d'abord? Voilà, il y a quelqu'un, on le prend d'abord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah ah, il s'en va d'or. Donne-y ça, la maman. Ah ah, de quoi l'émission, mère? Émission, mais il est là. Ah ah, de quoi comme tingue, vide qu'un boy va aller à Dieu à des. Le que on a joué à dos. Ah ah. Même y a été brûlé en vidéo et le que Mila ouais ça lutter contre l'hypertension, tiens. Même il a été trop au résumé, vite tu cuis mia, ni de coucou. D'accord. Merci. Ola te blonde ona mi gabu mi milana ni numéro no mi kba bo mi atro numéro kba tro de mena mi to nyere. Bon, le fruit jacquiare. Et me jure wa, c'est très simple. Elle blonde be le do problème de tension. Ne dorme à le ne sort wa ikbalim. Wa ve di si cascade de to. So va 5 litres, 10 litres tout ce qu'on veut. Ne ve pas fruit jacquiare mi le blonde. Que dialo muni que me diwa elle a sauvé homme elle a djin a des fruits à tout le monde a considéré ne considéré elle a faim allo appareil d'eau les gbemianto mi le yobe mi sœur tout ça hein voani ane ja we mo jouer a que mi a que mi nous sont de équipe nya moi j'ai demandé à mon collègue de na bonne faim à la façon artisanale donc a jus que mi que mi nous sont au faim na mi comme ça ne que élément de que ma tout le monde. Donc à madame il a été fangé à coup de l'offre. Après elle a des pépins on le met la filtre. Ma filtre donc pépins on peut pas de le mettre voir. Et puis à mani jus qu'elle a nous trop pâteux c'est bien que Corosol l'inconnu. Elle a dilué. Bon elle a nous vert de car matin à juin. Notre tension l'entière elle a noté 45 minutes qu'un bol de nous après avoir consommé ça. Et attention elle doit avoir un taux de glycémie tiens qu'un bol à tuer dit. On va faire non nuit un verre matin un verre le soir. Sinon à mais elle a été va hypoglycémie c'est à dit ben sous climat va non elle avait un autre problème donc ne nous fait de, 3 fois même par semaine est sous zéton le conseiller mais est sous ho donc votique me corps pour de capo ba nous et va de vie le wo amagan ho yo amade kwe ne nous corps pour de capo et va derrière la dame. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour petit Lambert. Lambert bonjour. Oui, bonjour Lambert. Bonjour, le plateau. Bonjour. Enfin, une autre question. Bon, et moi, je suis souvent, quoi. Oui. Mais, Firon. Oui. Un DAP, un peu de temps, vas-y. Quoi. Un patron, je recommande, quoi. Bon. Donc, je vais vous donner une bonne question. Ok. Pour moi, je dirais les bons qui me fabriquent. Au Laval, je me dis à Sénat, au maçon, non, je parle devant la radio, devant tout le Togolais. Maçon, non, gratuitement. Né à Pau, Furon, Clouamjo, dans 3 semaines, ça n'a rien d'ordre scientifique. Ok. C'est bon. Pour moi, je suis banné au sein, la crise, je tue souvent. Oh, faut pas donner le nom, mais viens tester ce qu'on te propose. Ok. D'accord. Amérique est bien allée, Madame Hélène. Mais qu'est-ce que tu as dit? Ok, Monsieur Kekou. Je suis allée, Madame Hélène, qui est bien allée. Je suis allée à la plateforme. Et elle est blombée. Elle est née de moi, elle est peinte. Et tout le monde m'a bien dit, est-ce qu'elle est digérée nous doit? Elle est intime, elle est blombée. On m'a dit, nous, quoi? Elle est née, fait une nuit, elle est yazan. Mais la nyan qui est causé noa doit mi dina cause ne noa cause a emi traité na mi va traité na symptôme est-ce que elle est gazée a elle digère nous doit encore les doux donc a ayomi le kagodo ne adonya ontina mi kengbe mi nyan ke mi la gbona wa 92 03 60 31 97 24 26 26 allô
bonjour. Bonjour. Monsieur Germain. Ah, allez-y, monsieur Germain. J'ai appris l'émission. Et puis j'ai appris le homme de cour, la finale est encore les bénéfices. Et j'ai mis le nom aussi à Foufou. Imbena melela tekpere miantine miate eh nyankwa la nyo migblana auditeur obone na mikwa le kambwe e dina edite nyanya bimjesio allo azire chana nani enona yovozi enona digoro leke e gbadina be adi anyigli anyigli chan wa me abe eh elolo wu anyigli a o mini diteo e frire benya lolo nanto e dina lobo. Ah oh, nyakpeam lu bolo bolo. Mi de kuku na auditeur on ba sobe tromper no ave no ave zan fruit bou, ba la ba a renya bou va lo. Ne milate so fruit en temps de mi en photo, mi atin be yewon mi vezin. Et là non, plus prudent so un temps. Nyakpe ke mi le bolo re. D'accord, elle est derrière tout en haut, l'émission moi. Voilà pour faire le fruit. Vinoti wa, amaru mla be en ka. Ne fi que wate po no alea wa do mia poto lambe un to due o do ibagble o do ibonu ele palima ne gbo yo pa fi que o la po elea o la jina me o la bajo amara ke to gbo e cho ati kusi re ke bo o fi onu a so player ye ya ba sa ko ba tu karo mi da pe ni gba to da pe to ju no lo amo ko sera mi anko wa no to ju no ga sese ga ba no mi anko na mara hi ano no moda no yo numero mia poto numero a ola karenti akpolo. Okay, le miabe recherche ma osant et terme de n'ignare les filles qu'en jibé noa, c'est en français quand même. Le futur solution contre la famine mondiale nke no gbole ni on a mignon les filles jusqu'alors surnommé le fruit du pauvre. Le jacquier pourrait être devenu le fruit miracle dans les années à venir. Le jacquier pourrait en effet sauver des millions d'êtres humains de la famine lorsque le culture vivrière majeure comme le blé, le maïs, le riz souffriront du changement climatique. Et nya konye bena mi le blé chan bena atiku tete ya ke benya mi le blanc et la pere nti fifia et la pere mi nti le chogo de tobe et nous va les sinwa et ya la nani ku milo o gbele kaka future mais c'est maintenant. Quand tu mélanges gali avec le miel, là, ça, c'est pour guérir des pathologies. On avait né garomé à odunuvo gadem ta fifina glam mi de o adovale wo zame ya ya galiku do miel nduna voilà era agbanan to chan la fon la menace o le gbun re inwa e do yo yo ba paji won be no gbe ple gali sanpo o gbe je azime wa ah ja be fu gali wa mi no be mo le be wa mi no anjo le po gali a cho bo ma mi agbon de ka gali na le de achi sadi mo le c'est ça odona chikaba do galia si mogblesi gerefia association no ni be galia to ma do galia si association la pou do mala fono la gaze prop oh cadeau ko gbadjo wa ni bo wi la mer. Moi je vais ajuster quelque chose rapidement pour quelques secondes.
tu as fait un coup de gueule tout à l'heure concernant les fonctionnaires ou bien ceux qui touchent leur retraite misérable au Togo. Oui. Que coûte Damaouzan qui est devant vous? Il vit bien au Togo, il touche ses pensions depuis les États-Unis. Moi également, ce n'est pas pour s'inventer, hein, mais ce que je touche comme en tant qu'ancien salarié de mon club de sport en Belgique, je peux créer ma propre structure et j'emploie même 10 familles. Je les paie chaque fin du mois. Je dis bien, ce n'est pas pour frimer, hein, mais j'emploie 10 familles. Hein, je paye chaque fin du mois, même si leur salaire va jusqu'à 100 000 au mois. Je les paye chaque fin du mois, sans toutefois utiliser l'argent d'ici. C'est pour dire que l'État togolais doit s'occuper des fonctionnaires parce que c'est eux qui forment nos élites, nos futurs enfants. C'est eux qui travaillent pour le développement du pays. Du pays, donc. Allocation familiale aussi, il faut voir ça. Voilà, donc c'est ceux-là, on doit bien s'occuper d'eux pour qu'ils passent une vie paisible avant de partir. 2000, ça, c'est inacceptable. Non. Allocation familiale, hein. 2000, les vieux le louent plus de 300. Ce peu un vieux par jour. 500 ou 300. Si on n'est pas en forme, on peut pas mater tout droit. La médecin me mira dans la tout droit. Et nous qui nana la médecin ni koba. Ne galaxy voilà, tu veux plus fruit comme le blanc là. À le fruit 500 francs toi tiens que il y a problème. Accord le cavi en le sur. On va gola nyama. Ah hein. Comme le cas. Et là au globe à me koji dimanche là. Au moins, nous avons accordé le coach scientifiquement. Dimanche, nous avons des capéco. Faut qu'on s'y voit. Midoua Corona. Papa Briga, et voilà où on a nos amis. Je dis non. Et Mille Blanc, la médecin Benya. Un petit peu, Mille Blanc, il y a un peu de temps. Le Gao, Kakana, Kawerika. Et. Vignon ou blanya soubo, cacao be nia fojaka et quona cancer venya bo. Moui be ou na cancer yo, m'a précisé. Fojaka mou na cancer ou, ne sok pa tchava cham jate ou cancer ou. Fojaka et tona miabel ne vio di et nonom senke ne cancer en tok bana et halan hakona. Ça veut dire que Il est professeur à l'université, docteur de formation et naturopathe, un docteur. Voilà. Il a eu ses doctorats, s'il vous plaît, en France. Oui, il va à Vatican. Pas ici au Togo. Je me sens mieux. Dans les villes, dans les grandes villes, non. Voilà, pas de différence là, mais vers Domé. Donc, il y a une santé, il y a une émission de dos, nous, et le VVD. Il a tout dit, moi, je dis, nous, 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 Wawini, Jale, Duyarote, et so. Milano Blanc. Merci beaucoup, Kekou Damaouzan. James, merci d'être passé. Maître Aziane, et Bébak Bélo. Sinon, Gali, nous, Kou Blanc, Niazin. Nous, on peut digérer dans nous, Kouare. Do Galicia, Aschoncia, Assonou, Kouare. Evo. Puis, follow la BA. Le téléphone, c'est 93 22 45 49. Voilà, tout voilà. À fait. Ok. Merci à Pelagi Mekoum à la mise en onde. Maître Azialende, quoi, toi, d'Awa, soeur d'Awa. Eh, Marc, donc, Koudina Moko, ou le Gouna, Biabono, Za, Jaka. Nous, les Jaka, les Sévales, que soit, j'en ai un peu Gakpouma, tout n'amont. Barrière. Eh, donne-le à peu. Yo, Mila Dak, Bene,
Il y a des techniciens. Et le Madovan, merci à toi également. Moi, c'est Romo Yetor. Chers auditeurs, restez avec nous sur la radio Kimo Yolo Mayo. Et retrouvons-nous jeudi à partir de 10h dans un nouveau numéro de Sport et Nutrition. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir.